Salut tout le monde, bienvenue sur jeuxvideo24.com pour un nouveau vidéo test et ce coup-ci on va s'intéresser à Metro Last Light, la suite de Metro 2033, une suite qui intervient 3 ans après le premier opus, toujours développé par 4A Games mais ce coup-ci édité par Deep Silver. Alors c'est un jeu qui se déroule dans un univers on va dire post-apocalyptique avec on va dire des mutants qui sont apparus à la surface de la Terre, d'autres créatures également, et qui surtout ont forcé les hommes à aller se réfugier dans le métro et à survivre. Ils se sont également organisés en différentes factions qui vont se faire de la concurrence. L'infiltration est ratée, c'est pas grave, vont se faire de la concurrence pour essayer de survivre, et on va surtout retrouver par exemple le troisième, une survivance en fait, le Reich du Troisième Reich hitlérien, une résurgence plutôt qu'une survivance. On va retrouver également une faction communiste, une faction se faisant appeler l'ordre, tout avec des buts et des objectifs bien entendu qui ne sont pas communs et qui vont les amener également à se faire la guerre. Au milieu de tout ce joyeux foutoir, on retrouve Artyom, le héros du premier épisode. Artyom qui ce coup-ci a quelques petits problèmes puisque la connexion qu'il a établie avec les Sombres, la race qu'il est censé avoir détruite à la fin du premier épisode, peut s'avérer extrêmement utile, et justement il va être convoité par ces différentes factions pour cette raison. Donc notre héros va se retrouver bien entendu au milieu de plein d'événements auxquels il devra bien entendu survivre, et le scénario est franchement bien maîtrisé, bien travaillé et extrêmement intéressant à suivre. Donc du coup on se retrouve au milieu d'un jeu assez complet, alors qui se vit exclusivement en solo, hein. Par contre, hein, n'espérez pas voir un mode multijoueur. Non, ici on a préféré se concentrer sur l'histoire, ce qui d'ailleurs est pas un mal parce que tiens, un petit peu d'accordéon, je vais aller justement demander de l'argent dans le métro. Et ce qui justement est pas un mal parce que pourquoi ne pas avoir un très bon jeu solo? Le multijoueur n'est quand même pas obligatoire. Bref, justement en parlant de ce jeu solo, donc vous allez explorer les différents couloirs du métro, vous allez explorer les différents espaces en surface, et justement l'aspect on va dire très linéaire et très couloir qu'on pouvait craindre se fait sentir, mais quand même plutôt bien masqué parce que le jeu permet quand même une certaine dose d'exploration. Alors pas tellement dans les niveaux en intérieur, mais plutôt dans les niveaux en extérieur, puisque vous allez pouvoir par exemple vous détourner de votre chemin initial pour aller explorer un cratère, aller explorer une carcasse d'avion, aller explorer un bâtiment qui est ouvert pour aller récolter des balles, des munitions et surtout des capsules pour votre masque à gaz, puisque l'univers de Metro 2033 et notamment l'air en fait est complètement vicié à la surface de la Terre et oblige les humains à porter des masques à gaz pour pouvoir survivre en extérieur. Donc du coup cet aspect survie va véritablement être au cœur du gameplay, et vous allez devoir composer avec, d'autant plus qu'on trouve peu de matériel, peu de munitions, pas de kit de soins en fait, tout simplement. Et vous allez donc devoir bien faire attention à où vous tirez, sur qui vous tirez, et bien choisir vos cibles pour espérer passer le plus silencieusement possible et le plus rapidement possible, parce que vraiment généralement les affrontements sont synonymes de mort. Alors pas toujours, parce que le jeu propose différents modes de difficulté. Un mode de difficulté normal, on va dire, dans lequel vous avez un HUD, dans lequel vous avez différentes indications, et un mode dit ranger dans lequel les adversaires sont quand même beaucoup plus coriaces, vous aussi vous l'êtes du coup, mais ils vont vous faire mal, très mal, ne pas vous rater, et vous allez devoir faire très très attention. Alors c'est vrai que le maître mot c'est la discrétion, l'infiltration. On passe son temps en intérieur à aller couper les lumières, à aller dévisser les ampoules, parce que on se dit mince, si je tire sur celui-là, qu'est-ce que je vais déclencher derrière? Combien va y avoir d'ennemis qui vont tomber dessus? Donc il y a un petit côté un petit peu tif, si vous me permettez cette comparaison, qui se mêle avec un autre côté très Call of Duty lorsqu'on est face aux adversaires, parce que l'IA est quand même assez
assez basique, hein. Elle avance, elle se planque, elle essaie de vous déloger, mais ça reste quand même pas du haut niveau de l'IA. Là où elle est vraiment dangereuse, c'est qu'elle fait quand même très très mal lorsqu'elle vous touche. Donc va bien à falloir observer les différents placements d'adversaires, les différents ennemis. Ils ont des rondes, ils ont des comportements qui sont assez cohérents. Là, si je traverse en courant, je vais me faire griller quasi à coup sûr. On peut peut-être essayer de passer dans la lumière, mais ça risque d'être quand même assez délicat. Voilà, c'était sûr. Par contre, ça va me permettre de vous montrer à quel point l'IA est pas franchement exceptionnelle, même si un petit coup de fusil à pompe à bout portant devrait avoir raison de ma personne assez vite. Donc vous voyez, il suffit d'attendre et normalement ils vont se pointer comme des fleurs. Alors vous avez différentes sortes d'ennemis, vous avez des ennemis un peu plus blindés que les autres, sachant que au corps à corps par contre un coup au corps à corps ou un coup dans la tête les défonce directement. Les armes, vous pouvez le voir, sont vraiment des armes assez sympa parce qu'elle change des armes actuelles. Alors vous avez différents types de munitions, différentes personnalisations. Vous avez certains endroits, de sorte de safe zone dans lesquels vous allez pouvoir acheter différentes armes à l'aide de la monnaie que vous allez pouvoir trouver. Alors la monnaie, c'est des balles, hein, parce que tout se négocie en balles dans l'univers de Métro. Ça vous est expliqué dès le départ. Donc à vous de bien voir. Vous voyez que la survie n'est pas véritable, enfin l'aspect affrontement direct n'est pas forcément l'aspect le plus intéressant face aux humains. L'infiltration est quand même beaucoup plus agréable et beaucoup plus sympathique. Il fallait passer par là. On avance, il y a un gars, il me semble, encore dans les canalisations quelque part, mais grosso modo il fallait s'infiltrer par ici. Donc vous avez plusieurs chemins, les niveaux sont bien construits, hein. Dans chaque niveau, même si on est encore une fois dans un couloir, vous avez plusieurs possibilités d'action à chaque fois, hein. Plusieurs on va dire plusieurs niveaux tant horizontaux que verticaux. Donc du coup ça permet de véritablement varier les plaisirs et les approches, et encore une fois, si vous voulez vous la jouer bourrin, rien ne vous empêche, mais c'est franchement pas ce qui est conseillé. Parce que, encore une fois, vous allez vous faire laminer assez rapidement. Je l'ai tué, j'aurais peut-être pas dû, ça sert pas à grand chose. D'autant plus qu'il suffit simplement d'aller ici pour passer. Voilà, hop, oup là. Là par contre, là c'est grillé, donc il va falloir faire attention. Et on va essayer de passer par là le plus rapidement possible. Voilà, ouf, on va dire. C'était moins une. Donc... ce métro 2033 change, enfin ce métro Last Light change également pas mal par rapport au précédent épisode, notamment déjà au niveau de l'aspect technique, de l'aspect graphique, qui est absolument excellent. Vous pouvez le voir, vraiment ce qu'on a sous les yeux, c'est bluffant, les textures sont super fines, les jeux de lumière sont magnifiques. Mais je me souviens déjà que lorsqu'on l'avait vu à l'E3 il y a 2 ans, le jeu était vraiment déjà très très joli au niveau de la technique, des éclairages. On avait notamment vu un niveau dans un métro avec tout un tas de gyrophares qui tournaient dans tous les sens. Là on peut dire qu'ils s'en sont donnés à cœur joie, et en plus de ça avec un budget qui est quand même assez, on va dire, limité par rapport au budget des jeux AAA qu'on peut voir à l'heure actuelle, Battlefield et Call of et compagnie. Là, on est franchement dans un truc un peu plus, on va dire, un peu plus indépendant. Il y a quand même du budget derrière, mais qui force le respect par son côté vraiment abouti, vraiment fini. On en redemande, vraiment, c'est vraiment sublime. Les extérieurs sont encore plus beaux que les intérieurs. Donc, on a franchement un gros, gros travail dessus. Le travail, d'ailleurs, en plus de ça... visuel et magnifié par l'ambiance, la bande son est géniale. Alors ce qui est super aussi, c'est de pouvoir se mettre les voix en russe par exemple, ce qui est le cas ici, ce qui donne franchement un aspect hyper réaliste au titre. Les drapeaux du Reich qui flottent, les effets physiques là sont activés. Donc on est vraiment en plus de ça dans un titre qui au niveau partie bande son est extrêmement important. Alors pas tellement par les musiques qui sont vraiment assez banal, tiens, sympathique cette petite bestiole, mais plutôt par et eh bien tout ce qui est bruitage. On entend les créatures arriver, on entend les gouttelettes de flotte qui tombent partout. Quand on se retrouve un moment dans un nid avec des monstres partout autour de soi, on les entend arriver grouiller sur les murs. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est euh,
qui est extrêmement bien maîtrisé et qui, encore une fois, est super bien optimisé. Nonobstant quelques petits problèmes de temps en temps, on va dire avec certaines configurations, j'ai assez galéré avant de comprendre que le driver de mon clavier G19 faisait ramer le jeu, ce qui est quand même assez étrange. Mais bref, passons. Pour le reste, c'est super bien optimisé comparé à Metro 2033 qui met encore à genoux certaines configurations PC. Là, on est franchement dans quelque chose de très très bien fichu, très très bien foutu. On sent qu'il y a vraiment du taf derrière. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce Metro 2033, de l'action, de l'infiltration, une IA plus que correcte et surtout un scénario qui est vraiment intéressant, qui vous place au cœur de l'action avec différentes factions, différentes zones à explorer qui changent du tout au tout. Mention spéciale pour la reconstitution du Moscou souterrain et du Bolchoï, etc. Enfin, vous comprendrez lorsque vous y serez. Vraiment, il y a de quoi faire, c'est beau, c'est sympa, c'est original. Profitez-en si vous n'êtes pas rebuté par l'aspect un peu narratif que peut revêtir le titre et surtout par certains creux qu'il peut y avoir au cœur de l'aventure, notamment à cause de dialogues peut-être parfois un peu trop longs, mais qui sont vraiment nécessaires pour planter le décor. Allez, on se retrouve bientôt sur jeuxvideo24.com pour un nouveau vidéo test. En attendant, très bon jeu, bonne exploration des métros post-apocalyptiques et bye bye.